Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Branché Infoneur, c'est émission Chita Tande Nouvel Sa qui entre la caillou. Moi, c'est Mette Info, quel que soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal d'information sans force côté. La Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, eh bien, l'y approuvé là, à hier, contrat président Jovenel Moïse, l'État haïtien gagné avec compagnie générale électrique pour que l'y construit une centrale électrique dans la commune Carrefour qui a gagné une capacité 55,5 MW. Donc, c'est le ministre de la République lui-même qui a confirmé la nouvelle. Si là, n'a pas venu avec détail pour gagner ancien sénateur Noah Kelly Sébastien. Eh bien, lui-même, lui viré d'eau, lui coupé fâché là avec opposition démocratique à populaire. Peut-être lui dit, eh bien, opposition, yo a fait menti sous lui. Et d'après information, yo, lui a participé dans yo rencontre avec autorité et PHTK pour joindre une solution dans la crise là. Donc, il dit opposition a refusé bail vérité sur ça qui passait. L'autre information gagnée ULCC qui tendait à hier fait ça une séance confrontation et à hier une autre fois entre le sénateur Yuri Latorti, ancien premier ministre Henri Seyan, avec le docteur Reginald Boulos, donc sous l'agent yoté prêté dans l'ONA. Auditeurs et spectateurs, chers internautes, n'a invité ou branché, continuez à abonner à canal information sans force côté à de manière à ce que nous sommes capables de continuer à porter bon genre d'informations frais, clés, coup de l'eau pour ou même qui abonnez déjà, nous remercions pour ça, ou même qui pourquoi abonner, c'est temps pour abonner. Donc, de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publie, la privée joue nous de façon automatique. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, j'en ai annoncé au lit, eh bien, gouvernement, l'ira léon offre soulagement, gagner la couche paix des comptes à contentieux administratif qui finalement, eh bien, approuvé hier projet contrat courant l'État haïtien et avec compagnie générale électrique, eh bien, et qui coûtait et plus passé 57 millions de dollars américains pour construire une centrale électrique dans la commune Carrefour qui a coûté qui gagne une capacité 55,5 MW. Donc ça demain j'en ai dit l'hypothèse un gros soulagement et bien pour pouvoir président Jovenel Moïse là lui-même qui t'a souffri avec projet SILA, projet courant dans quatre projets courant 24 sur 24 promesse l'été fait. Ministre du public, transport, communication, Joasius Nader, lui-même qui confirme les nouvelles là, fait qu'on est, c'est après correction, eh bien, CSCCA, qui c'est la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, t'a demandé, eh bien, pour y'a fait, non, et document yo, eh bien, y'a été fait correction ça yo, et c'est comme ça, eh bien, la Cour des comptes valide projet. Donc, pour qu'on y a, il était seulement pour que travail yo, il a démarré et le ministre dit la prend toute disposition pour ça. Mais pour le président Jovenel Moïse, capable d'inaugurer la réalisation avant et bien reste mandat la fini. Donc nous invitons au côté ingénieur Joasius Nader. C'est confirmé, contrairement à la caille jeudi, nous avons fait une lettre de transmission pour nous envoyer par EDH, qui est même après une copie par film et de construction. Une très bonne nouvelle pour Haïti, pour le gouvernement, pour le travail public, pour notre EDH, pour construire des comptes dans tout ce qui travaille dans le pays. Donc tout ce qui est composé ensemble pour nous envoyer le peuple, pour bien sûr ça, service qu'il demande, service qu'il mérite. Donc c'est nous tous qui vous proposer. Même la presse, tout le monde félicite la presse pour appuyer. Et bien non, et tout le monde, pour nous permettre de tirer le peuple là, non, et parce qu'il y a, je veux dire, dans le 21e siècle là, problème courant, pas un problème pour aucun pays. Donc, nous même Haïti, comment pour nous travailler ensemble, pour nous bailler la population, ça, on lui a d'espoir. Et c'est ça, nous jeunes là, je veux dire, nous féliciter, remercier les cours supérieurs des comptes qui étaient dans nos bénéfices d'urgence, pour nous demander au gouvernement et niveau Fremont. Et c'est pour ça, pour nous proposer ensemble, pour nous, nous avons une différence, c'est toujours gain, tant qu'on gagne dans toute famille, madame, mari, papa, petite, frère, une différence, l'essentiel, non, entendre, non, pour nous bailler la population, ça, service qu'elle demande, service qu'elle mérite. Et tout est,
recommandations, nous respectons à la lettre, et puis constater les recommandations respectées, et puis nous trancher, nous approuver, et puis nous pas avancé. Au supérieur des comptes, nous demandons bagaille, nous respectons ni et nous quittons nos passés, et tout le monde satisfait, nous avons 57,5 MW, point qui est additionné à 70 que nous avons là dans le premier jour d'hier, nous avons additionné 36 MW, qui sont sortis les groupes Alstom et AEQP ont venu réparer Tchoubinio. Moi, je crois bientôt là, nous allons gagner courant, tout le monde va gagner courant chaque jour pour nous capables de courant au moins 10 heures de temps par jour et pour nous avoir 18 heures de temps, même j'en ai Jérémy, j'en ai Tiboise. Nous avons vieux Boudakin et nous avons 18 heures. Et finalité, le président toujours dit, nous avons vu ça, nous tout bon côté la courir du gouvernement entier pour le gain courant 24 sur 24. Prochaine étape, c'est bail final avant le démarrage, pour commencer à débarquer à matériel, pour commencer le travail, et puis pour bailler à commencer à faire. Ouais, notre travail est en fait, réhabilitation réseau à fait, c'est dans quatre projets par rendement, et puis pour nous mettre d'autres productions additionnelles sur le réseau et pour nous avancer. Information. Ancien sénateur Nord Kelly Sébastien, eh bien, il coupé fâché là avec secteur démocratique et populaire, ancien parlementaire, eh bien, qui fait une mise au point bien longue, il voyait dans la presse pour expliquer, donc il justifiait décision là, eh bien, et peut-être il dit même secteur démocratique et populaire, eh bien, yo, eh bien, refuser dit la vérité. Et pour ça qui gain à ouais avec présence li nan yon rencontre qui était faite avec dirigeant PHTKO nan objectif pour être capable joindre yon solution avec crise politique pays d'Haïti a traversé. Kelly Sébastien, eh bien, li dénoncé là et que les victimes de yon chantage, de yon marchandage, de yon machination, et c'est pour raison ça, eh bien, li dit li divorcé avec secteur démocratique et populaire. Donc, division et au profit de l'ennemi, et comme ça, je chiffre Tadil. Dossier Onamart, Ona Pharma, eh bien, ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, eh bien, li organisé hier une séance confrontation dans le local li nan Paco. Séance ça, mais était déroulé entre et enquêteur ULCC yo avec ancien sénateur Yuri Latorti, docteur Reginald Boulos, avec ancien premier ministre Jean-Henri Seyan. Donc, nous invitons à écouter sénateur Yuri Latorti avec docteur Reginald Boulos qui a bail explication sur qui Jean Seyan Sila t'est déroulé. Et nous répondre exactement, j'en ai répondu déjà. Moi, pense que Bon, on pense que la décision est bien passée. Et parfois que décelé, contrairement à ça, il n'y a aucune contradiction. Nous, bah, toute information était besoin. Il y a son dossier mort en lié. Il n'y a pas rien là-dedans. Vrai dossier, il faut que j'en plus rien. Mais dossier on a mat, on a fama, c'est une des plus belles dossiers, c'est une des plus belles programmes et on a jamais fait. Et moi félicite monsieur ULCCO, mais moi pêché mauvais côté. Nous voyons que c'est une persécution politique, nous les. Donc sur ce point-là, nous finis là, pas quoi après les nous encore. N'a pas rappelé, ça fait deuxième fois, ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, lui-même, eh bien, enquêteur, il attendait
et sénateur, ancien sénateur Youri La Tortue avec docteur Reginald Boulos, businessman et politicien, et bien, qui yo même te fait yon prêt nan ona et pour que yo te capable et bien fait business yo qui te déjà là fait business yo grandi. L'autre information, il y a plusieurs organisations de base qui étaient en main un sit-in hier devant la Cour supérieure des comptes à contentieux administratifs. Objectif sit-in ça, mais c'est pour demander juge dans la cour pour commencer mettre arrêt débat d'ailleurs avec arrêt quitus. En façon pour commencer relais, eh bien moun yo dit qui était volé, qui était dilapidé fonds Petro Caribea. Donc l'autre objectif sitting n'a gagné tout, et bien c'était porter si poyo by la Cour supérieure des comptes à contentieux administrative, et bien pour bon gens travail yo dit l'a fait, et puis la prend pression nan men yon série moun ben qui paraimen travail que l'a fait. Nous invite au côté plusieurs nan moun qui t'est planté piquette devant la Cour supérieure des comptes à contentieux administrative ayé. Nous toujours tourner là. Tout le temps nous pas jeune arrêt de débat avec quitition, avec arrêt tout cas de malogne, nous toujours présents là. Et nous venons là aujourd'hui, nous venons porter solidarité nous, à Cour supérieure des comptes, côté ministre de te débarquer en Chambon, en Champrel, en Diable, à toute gasoline, dans Galon, à les mettre dans Men, Samy, Kagoulo, nous te venons couler, espace côté qui vient dossier Petro Caribea. Mais avec réaction peuple, peuple te gagne tout présent, pour te couler, pour te couler, pour te couler. Cité Soleil, tout le monde qui est persécution politique aujourd'hui, c'est pour être l'argent Petro Caribe ça. Et nous avons toujours planté piquette pour nous, même organisation, nous voulons vivre. Force Delma, Collectif Femme, KNBA, Esclaves Révoltés, Force Canapé fait réveiller. Nous avons toujours présent là devant Cour supérieure des comptes pour nous demander le reste et rapport de DBA parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas négocier. Dossier Petro Caribe ça. Dossier Petro Caribe ça. C'est soufiel nous. Si on voulait tuer nous tous, et pour tuer nous tous, jusqu'à ce que nous-mêmes nous joignons et ça nous besoin de dossier Petro Caribe. Jusqu'à ce que nous avons un monde pénitentiaire, quoi de nos couillons, il y a remettre l'argent. Nous ne pouvons pas modérer non. Nous ne pouvons pas modérer. Mais sécurité non quoi nous ne pouvons pas modérer. Nous ne pouvons pas modérer parce que l'hôpital nous ne pas modérer. Nous ne pouvons pas modérer en rien. Et nous dit peuple là, c'est le peuple là qui a sauvé peuple. Là, c'est un coup présent dans tout côté qui gagne rassemblement parce que pas des dirigeants qui sont responsables pour nous, c'est nous-mêmes peuple là qui pour prendre l'arrière, qui pour mobiliser jusqu'à ce que nous joignons ça nous besoin. Ça fait notre troisième voyage devant la Cour supérieure des comptes. Nous venons demander arrêt de débat et nous venons faire solidarité. Nous voulons vivre, faire solidarité avec la Cour supérieure des comptes qui a subi menace, qui a subi pression. Non, bah, mais moucher l'État, nous dit moucher l'État. Wagene, même si vous avez des comptes, vous n'avez pas de mettre d'Orval, vous n'avez pas de mettre mon ferrier d'Orval, vous n'avez pas jamais mettre mon ferrier d'Orval. Ce qui est passé dans le VEA, il n'est pas passé dans l'enterrement. Et nous ne pouvons pas faire lâche, nous ne pouvons pas camper. Nous gagnons ensemble revendication qui permet encore une fois, nous présents devant la Cour des comptes aujourd'hui. Un, pour nous demander arrêt de débat et de quittition, même si nous n'avons pas besoin de quittition, parce que nous n'avons pas bien et gérer l'argent de l'État. Mais il est clair, il faut que nous jouions un arrêt de débat dès le commencement du mois d'octobre pour nous commencer à faire des jeunes femmes et des jeunes garçons qui gagotent l'argent Petro Caribe. Deuxième revendication qui permet nous la jodia, c'est pour nous faire solidarité avec ensemble les membres des comptes. Jodia, qui a recevoir menaces de partout dans le pouvoir en place là. Côté nous songer même avec moi, président de la République a été débarqué en Django là, il propose de venir nous la souci pour intimider. Deuxième, ministre de la République a été débarqué là avec mon cagoulé, sans pas policier, débarqué avec journaliste pendant la machine, vient filmer, vient garder ses de côté matériel sans si Petro Caribe. Troisième revendication, nous, c'est pour nous exhorter. C'est pour exhorter la Cour des comptes pour ne pas décaisser un goutte, pour ne pas décaisser un goutte pour ne pas avoir un avis favorable, un goutte qui prale dans la crée électorale présidentielle, qui n'est pas doté de aucune légitimité populaire, qui
pas doté de aucune légitimité constitutionnelle. Bon, c'est clair. Quatrième revendication, nous, clair. Faut mettre Dorval jeune justice. Quatrième revendication, nous, c'est justice pour mettre Dorval. Insécurité dans le département sud, double assassinat dans le département sud, bandits, moun pas arrivé identifié, et bien touillé. Avant hier, eh bien, en Babal, citoyen nord ainsi connu avec Madame Nikirele Luzette, dimanche soir, la Caillou, dans la localité Bali, Kishita, dans la deuxième section communale Saint-Jean du Sud. Donc, c'est Joseph Sully qui lui-même, c'est membre conseil, administration et section communale là, Kazekla, lui-même, qui, eh bien, est annoncé nouvelle là, qui confirmait nouvelle si là. Donc ces deux couples eh bien, qui ont même mouru assassiné pendant le week-end passé à la et dans le pays d'Haïti après et pasteur Jean-Philippe Quétan lui-même avec madame Ni Erna et Plancher eh bien bandit et moun pas arrivé identifié te fin touye yo en dans la caillou nan Onaville. L'autre information, on a fait un coup de pied à l'étranger, qu'on y a élection dans le pays États-Unis. Eh bien, premier débat télévisé entre deux candidats, Donald Trump avec Joe Biden, offrit un mauvais spectacle hier soir à des millions de téléspectateurs qui t'absuivent débat à travers le monde. Donc, c'était attaque personnelle côté deux candidats, eh bien, t'as attaqué yon l'autre sous point faible. Donc, président Donald Trump même t'a empêché Joe Biden parler alors que yon chaque t'a gagné 2 minutes pour que yon t'a élaboré réponse yon, pour t'a bail réponse yon et à question journaliste Chris Wallace t'a posé yon qui lui-même c'était modérateur dans le programme. Nan. Donald Trump permet de paraître toujours fâché, toujours monstré, pendant que Joe Biden lui-même était toujours gagné souris sous lèvres. Journaliste Chris Wallace s'est obligé à chaque moment de camper président Donald Trump, dit stop, pour que l'IT soit capable de permettre Joe Biden parler. Donc, monsieur était empêché Joe Biden parler. Donc, il faut que nous disions, parmi gros dossiers qui étaient soulevés dans le cadre de débat ça, hier soir, entre deux candidats pour élection américaine ou joine eh bien te gagné question crise coronavirus là dans pays États-Unis qui lui-même est touillé plus passé 200 000 moun dans pays États-Unis et ou gagné tout et problème économique qui sous la grabat après crise et coronavirus là qui ça fait pour relever pour recamper économie gagne question problème climatique et avec problème environnement et côté diffé passé span boule forêt dans pays États-Unis et gagne problème discrimination raciale côté blanc yo même et ben policier blanc yo pas suspend touyer et noir yo ne petit critique crack gagne tout question élection yo dans pays États-Unis qui pral fait là question vote électronique donc c'est autant de points parmi quantité points qui était dans débat yo hier soir dans débat télévisé entre président Donald Trump avec lui même qui candidat pour le remplacer tête li dans Maison Blanche là dans élection 3 novembre yo avec Joe Biden lui même qui c'est candidat démocrate qui en face eh bien président Donald Trump dans course électorale yo. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'est là nous camper avec édition Nouvelle ça. C'était Zami ou Frère Mette Info qui t'a observé. Nous casser rendez-vous demain, même l'heure, même chaîne. Non, si pas.